Eva, Eva, bonjour moi, monsieur. excusez-moi. L'émission me convient et sincèrement, je tiens à vous féliciter pour cette émission. Merci, monsieur Blaine. Concernant la jalousie. Mon histoire est un peu longue, mais je vais vous parler dans quelques secondes. On vous écoute. Vous savez, j'ai commencé à travailler depuis 1978. Aujourd'hui, je m'associe le transit. En vous parlant, je suis ému. Parce que je réside à Brésil-Cité. Oui. J'ai préféré donner mon nom. Hein. Oui. Et le fait de construire, en 2000, j'ai construit une maison, c'est-à-dire deux chambres, j'ai modifié, j'ai fait en hauteur. 6 ans après, mon enfant va à l'école. Il descend dans la mer. Aujourd'hui, on me traite qu'il a tué son enfant pour avoir de l'argent. Or, que je suis assis devant mon poste récepteur au bureau à l'aéroport et je suis en train de vous parler. Aujourd'hui, quand je parle à quelqu'un, on sait pourquoi j'ai eu ton argent. Mais pourquoi j'ai économisé? J'ai 51 ans aujourd'hui. Et demain sera le 17 mai. C'est mon anniversaire. Blé Pascal. Ça fait mal. Et ça me fait pitié pour ceux qui ne veulent pas avancer. J'ai souffert. J'ai économisé. J'ai même mangé la nourriture couchée pour rien que pour économiser. Et si je réalise quelque chose, l'enfant qui va à l'école, il décède dans la mer. On trouve que 6 ans après d'avoir construit, hein, si au moins je ne faisais rien, si j'avais construit d'accord. Et l'enfant décédait, puis je commençais à réaliser cette autre chose. Mais aujourd'hui, c'est ça. Brésil-Cité, il est de Brésil-Cité. N'importe qui se lève, si je connais pas plus de nourriture, me parle mal. Vous savez, je suis directeur de société, de transit. Il ne savait pas quoi il avait pour avoir mon argent. D'accord. Allô? Oui, on vous écoute, Donc, monsieur. c'est un peu ça. Et l'émission me plaît parce que nous autres, on peut aider d'autres personnes. Mais s'asseoir à la maison, alors je venais fumer la drogue. Et ils ont même les parents qui ne travaillent plus. Nous, qui avons les relations, faut leur donner coup de main. Mais ils achètent au petit coup, en train d'insulter, critiquer. Ils ne savent pas réellement qui est la personne. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter. Votre émission me convient et j'ai réduit le son. Je suis à vous aider en direct. Voilà, du bureau. Félix Fauboyer. Merci beaucoup. À l'aéroport. Merci, monsieur Blé. Merci. Et puis, joyeux anniversaire en avance. Alors, là, c'est. Si vous permettez, ça me rappelle une situation semblable avant de revenir à celui qui jalouse les autres. Il y a un monsieur dans une localité qui travaille et qui a les moyens, qui malheureusement fait un enfant qui est handicapé psychique. Donc, qu'est-ce que les gens disent? Il a fait un fétiche pour être riche. Et les gens vous disent, vous voyez, quand son enfant bave là, son argent augmente. Oula. Et ils ont dénigré le monsieur dans tout le village, dans tout le secteur. J'ai dit, mais c'est facile. Je suppose même que ce soit vrai. Mais je sais que ce monsieur que je connais tous les matins, il est au champ. Moi, je le vois, il va au champ, il fait ses activités comme il le faut. Donc, vous aussi, si vous pensez que c'est facile, faites et puis vous allez avoir. Donc, vous voyez, jusqu'où. Mais il y a le point également des mentalités africaines, hein, où chez nous, tout presque rien. Non, c'est pour ça que la jalousie est très forte en Afrique. C'est naturel chez nous. Oui, mais ce qui n'est pas. Il y a toujours un peu le mysticisme derrière. Ce mysticisme, là, en même réalité. Derrière une réussite, on se dit qu'il y a du mysticisme. Derrière un échec, il y a du mysticisme. Alors c'est la jalousie. Juste du travail. En réalité, c'est la jalousie. C'est pour ça qu'on nous traite beaucoup de sorciers en Afrique. Parce que le jaloux, il est sorcier. Quand vous réussissez, le monsieur a parlé, vous vous privez de tout. Vous travaillez, vous privez de tout. Vous n'avez même pas le minimum. On se moque de vous dans le quartier. Lui, là, il est fait tel travail, il ne peut même pas payer telle maison, il n'achète pas de voiture, il est toujours en train de demander aux gens de les déposer. En temps, c'est parce que le gars est en train de réaliser. Un jour, on le trouve dans une villa avec toutes les commodités nécessaires. On dit non, ça, c'est pas clair. Ce monsieur, comment il a vu là, c'est pas clair. S'il a fait ça là, c'est que on a l'impression qu'il est passé d'une étape à l'autre de façon soudaine, alors que c'est énormément c'est de travail qu'il y a eu derrière. Il y a certaines personnes qui préfèrent rester discrètes, le temps de se réaliser. Mais c'est la même manière. Vous n'avez pas allé dire à tout le monde que je suis en train de construire une maison, mais les gens vont vous voir dans le quartier, en train de marcher, comme je dis, parfois même avec des tapettes. On va vous critiquer, on dit lui là, il fait tel il métier, rien il n'a rien, il est avare, il est ceci. Ou alors il est trop dépensé, il bouffe tout son argent, il donne tout son argent aux, aux femmes. Aux femmes ou à boire. Et dès le lendemain matin qu'on vous retrouve dans des conditions meilleures, on dit non, son argent n'est pas clair. De toute façon, il se promenait à la tapette là, c'est qu'il vendait la drogue, c'est qu'il faisait des coups bas. Ouais, ça, et on va très loin dans l'imagination, on construit des histoires derrière qui sont presque crédibles. C'est pour ça que les rumeurs se propagent aussi rapidement et qu'elles tiennent la route parce que les histoires qu'on raconte pour nourrir cette jalousie-là sont crédibles. C'est des scénarios, mais vraiment élaborés. Mais le jaloux est une intelligence malsaine, mais fertile. C'est-à-dire, il est dans sa jalousie-là, il a une intelligence fertile.
il crée des histoires avec une telle cohérence que si vous n'êtes pas suffisamment responsable, mature, vous rentrez dans le dos. Quelquefois, ça peut gâter votre amitié. On va venir me dire, mais maman que tu connais là, il fait telle chose. Et puis, je dis, ah, mais c'est que je lui fais plus confiance. Pourtant, il n'y a même pas de preuves. Mais là où il faut les attraper, si vous dites, bon, je vais lui demander, par exemple, c'est mon ami, est-ce que je peux lui demander? Il dit, non, et moi, il n'y a rien. Bref. Donc, pour revenir à celui qui. Donc, on est là dans la phase de dénigrement. On va passer donc à ceux qui se réjouissent des malheurs des autres. Oui, je pense que Maître Bamba a dit quelque chose de très important. C'est que celui qui exprime, enfin, a un sentiment de jalousie vis-à-vis de l'autre n'est pas indemne de souffrance. Mais docteur, vous qui êtes psychiatre, vous êtes bien placé pour que je pose la question. Est-ce que finalement la jalousie maladive, excessive, pas dans le couple, hein, dans les relations humaines, est-ce que finalement ce n'est pas signe d'un trouble mental? En général, la jalousie qui est trouble, qui rentre dans le cadre des troubles mentaux qu'on connaît, c'est généralement dans le cadre d'un couple. Mais la jalousie sociale, c'est possible. Peut-être que ça a des perturbations de personnalité, c'est possible. Mais généralement, la jalousie maladive se voit beaucoup plus dans le cadre de couple. Très bien. En ligne, le professeur Obarazak qui nous appelle du Cameroun. Oui, bonsoir, ma chère Eva. Votre émission est très intéressante et je vous suis en direct. Là. Merci. Et le thème de ce format est très, très intéressant concernant la jalousie. Vous savez, la jalousie, c'est vraiment un phénomène qui perturbe souvent même la stabilité de notre société. Et souvent, les personnes jalouses, ce sont des personnes qui cultivent des haines littéraires dans leur cœur. Oula, la connexion n'était pas très bonne, il est parti, on espère qu'il reviendra. Alors. Donc comme je le disais, c'est possible. Ce que je connais le plus qui est décrit dans nos documents, c'est dans le cadre des parano, qui font la jalousie dans le cadre des relations entre femmes et hommes. Mais je voudrais dire, avant de venir aux conséquences sur l'individu qui a le sentiment de jalousie, mais la jalousie a des conséquences sociales. Et je pense que c'est un des facteurs de sous-développement. On veut se développer. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous partez à l'intérieur dans nos villages, où parfois il y a de grands cadres, aucune construction, ce n'est pas parce que ces derniers ne veulent pas construire, mais ils ont peur que par jalousie, on les tue. J'ai assisté à une scène où le monsieur a fait sa belle réalisation, et puis quand il y a eu la crise, par jalousie, les gens de son village ont encouragé qu'on paye, eux-mêmes ils ont profité en complicité d'aller piller la maison de ce dernier. Il est évident que si moi je suis de ce village que je vois, je n'ai pas allé construire là-bas. Or, c'est la construction avec les cadres qui donne l'opportunité de développement d'une localité. Si Abidjan se développe aujourd'hui, c'est parce que nous tous qui sommes venus de divers horizons, les uns et les autres, font des réalisations. Donc, dans les villages, dans les villes de l'intérieur, parfois il y a des grands cadres qui y viennent. Bon, il y en a eux-mêmes, de par leur nature, ils ne veulent pas se mêler peut-être par peur ou quoi, mais quelquefois à cause de la jalousie. J'ai lu un livre où ils disent, quand vous construisez une maison d'un premier niveau, dès que vous passez au deuxième niveau, les gens vont chercher à voir comment ils peuvent faire pour vous éliminer ou créer. Dans ce sens-là, je vous conseille un livre, Et oui, en cas de Regina Yahou, qui explique très bien ce phénomène. Bon, je prends le titre pour le lire après. Et oui, en cas, vous pouvez le lire. Je voudrais. Alors, docteur, on va finalement, bon, pour finir avec toutes ces conséquences-là et puis les manifestations, parce que ce sont des conséquences, mais en même temps des manifestations, des symptômes et des manifestations, absolument, en fait, c'est la même chose. Alors, on va prendre cet appel de M. Niamke, il nous appelle de Bingerville. Allô? Allô? Bonjour, M. Niamke. Oui. Bon, mon histoire, c'est que, je suis un retraité. Oui. Bon, quand je travaillais, j'avais réalisé les choses. Bon, mon oncle aussi m'avait laissé une plantation, depuis mon papa. Bon, je suis arrivé à Iloka, eh bien, je me suis mis dessus pour réaliser encore plus. Donc, j'ai une voiture. Je vais en brousse avec ça. Et puis, bon, tout le temps, bon, j'envoie les bagages à la maison. Bon, les amis qui sont au village sont contre moi. Ils veulent m'arracher, comme on appelle, ma plantation. Bon, comme ils savent que je travaille, je ne reste pas à la maison. À chaque fois, je suis à brousse avec mes enfants.
Alors, ils sont jaloux, ils disent de moi, je ne sais pas comment ça se passe. Mais quand je passe, tout le monde m'apprécie et que je travaille bien. Mais au fond, ils sont contre moi. Et puis, si je vais en ville, par exemple, et je suis dans ma voiture, je vais en ville, parce que la voiture, on ne peut pas prendre n'importe qui dans la voiture. En cas de quelque chose, c'est toi qui vas payer. Les conséquences. Et les conséquences. Donc, je ne fais pas ça. Ils sont jaloux. Ils disent, moi, je fais le gros. Pourtant, actuellement, là, je suis en brousse. Je suis en brousse. Hein. Bon, mais comme j'ai compris votre émission, là, c'est pour ça que je vous appelle pour dire ça. D'accord. Alors, j'ai construit, je suis chez moi à la maison. En ville, j'ai construit. J'aimais bien. Mais tout le monde sait que moi j'ai les biens. Mais quand je sors, on dirait que je suis un méchant ou bien je suis, comment on appelle, quelqu'un qui ne fait rien. Pourtant, mes amis, je vous dis, hein, mes amis qui viennent avec moi là, bon, tout le temps ils sont près de Koutoukou. Ils sont en train de jouer à Wallé, ils jouent Ludo et ils me voient passer Wallé au travail. Il n'y a pas un jour que je reste à la maison sans aller à la plantation. D'accord. J'ai palmier à huile. Bon, je fais tout cela, avoir mon bien pour élever mes enfants. Mais ils sont jaloux, surtout, on me dit que moi je sais mal. Alors je n'arrive pas à comprendre. D'accord. Mais même les autres, même, ils arrivent même à dire à leurs enfants, votre papa est vivant, profitez maintenant. D'accord. Si vous ne profitez pas le jour de votre papa meurt, bon, on va vous chasser. Vous voyez, alors ça me fout mal. Ça me fout mal. Parce que je ne sais pas les gens comment leur mentalité. D'accord, monsieur Niamke. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est très explicite, hein, c'est bien ce que l'on est en train de dire. Alors, plus que quelques minutes, 8 minutes environ à passer ensemble. Alors, on a parlé des conséquences sur les autres, sur les victimes, mais on va parler des conséquences sur... Et puis, si vous, il n'y a pas de honte, vous pouvez garder votre anonymat. Et si vous ressentez de la jalousie vis-à-vis de certaines personnes, vous pouvez nous appeler et puis nous dire pourquoi et puis comment ça se manifeste chez vous. Absolument, on ne vous juge pas, on est dans un processus de compréhension. Absolument. Donc celui qui a le sentiment de jalousie n'est pas indemne que ça. Parce que lui aussi va avoir l'insomnie. C'est les mauvaises pensées. Donc toute la nuit, puisqu'il mijote le mal pour il médite le mal pour l'autre, mais ça lui donne l'insomnie. Et l'insomnie, on peut aller jusqu'à l'hypertension artérielle. C'est la nuit que les sorciers agissent. Donc, on peut le récupérer de ce côté. Voilà, c'est ça. Donc, celui qui est jaloux, c'est ça. Il souffre. Il est là, il a mal au cœur, il a l'ulcère, il a mal à la tête, il a toutes sortes de troubles. Je pense que désormais, ça fait partie de mes questions que j'ai posées à quelques personnes. Si on cherche qu'on ne trouve pas, peut-être c'est passé. Donc, le jaloux souffre. Il est obligé même de faire... Quand vous voulez inventer une histoire qui n'est pas vraie pour dénigrer quelqu'un, ça demande beaucoup d'efforts intellectuels. Et l'effort intellectuel, parfois, ça fait mal à la tête. Comment il va faire pour que l'histoire construite soit cohérente? Pourquoi on croit que ce que j'ai dit sur l'autre est vrai. Mais ça peut avoir des conséquences sur sa propre santé physique, sur sa santé mentale. Donc, je pense que à l'extrême, il va être initié certainement à la sorcellerie et puis il devient monsieur sorcier. Monsieur Saniké est en ligne, il nous appelle bon, okay. Mali. Allô? Oui. Bonjour, monsieur Saniké. Oui, c'est Saniké. On vous écoute. Ok. Je ne contredis pas monsieur Grou. Moi, je pense que toutes les jalousies sont des maladies, et puis des maladies incurables. Hein. Parce qu'en Afrique, ça commence à avoir de l'ampleur. Surtout, bon, dans les campagnes encore, c'est plus fort. Je vous remercie pour l'émission. Merci beaucoup. Ça vous êtes sur une bonne voie. Merci, très bonne journée à vous. Alors, on l'a dit, c'est une maladie curable. On a vu les nombreuses conséquences sur celui qui nourrit de la jalousie à l'endroit de son prochain. Donc, maladie mentale, maladie. Oui, bien sûr, parce que tu peux être déprimé. Vous avez mis quelqu'un en prison.
et vous détenez la clé de cette prison. Vous avez peur que la personne soit... Non, mais vous-même, vous mettez aussi en prison. Voilà, vous êtes emprisonné. Moi, vous êtes en prison. Vous avez peur. Et alors, comment réagir quand on a des jaloux, quand on est face à quelqu'un qui est hypocrite ou qui est jaloux? Comment réagir? Alors, ce que je voudrais dire, avant peut-être de répondre à cette question, je voudrais dire à celui qui est jaloux qu'il ne réussira pas. C'est une règle spirituelle. Le mal que vous souhaitez à quelqu'un, ça veut dire que vous priez pour ne pas l'avoir. Puisque ce n'est pas bon. Ça veut dire que l'autre se sape bien. Tu dis pourquoi il se sape. Ça veut dire que toi-même, ce n'est pas bon pour toi et tu ne l'auras pas. À la limite, ça ne dira pas plus loin. Vous recevez c'est ça pour trois ça que, fois moins. C'est pour ça que... Ah oui, hein. Ouais, mais c'est oui, ça lui, il a dit trois fois moins. C'est pour ça qu'il est bien, que sur le plan religieux, il est plutôt bien de prier pour la personne. Et quand on prie de façon sincère pour quelqu'un qui a réussi, Dieu peut nous aider. C'est comme d'accord. Quelqu'un alors qui souhaite... Comment réagir quand on a de la jalousie vis-à-vis de soi? Ben, je pense que c'est d'en parler avec... Espérer trouver quelqu'un de confiance et en est-ce parler. Est-ce que c'est la bonne solution de parler à cette personne-là? Une fois qu'on a découvert toutes ces manigances, toutes ces facéties, est-ce que c'est la c'est bonne possibilité de méthode discuter. De lui dire « Je sais ce que tu penses de moi, voici ce que tu as voici ce que j'ai appris de personne, toi. » Voilà. Oui. C'est souhaitable. C'est souhaitable. Vous savez, le sorcier... C'est ce que le sorcier déteste. Vous assumez tout de suite le jaloux au sorcier. Non. Justement, c'est une forme de sorcellerie. C'est une forme de mais quand c'est comme ça, appelez la personne. Dieu te lit la vérité. Dieu te lit ce que vous faites là. Hein, ça ne va pas marcher. Tu es détruit. Voilà, c'est détruit. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Je suis sûr et certain qu'il va arrêter. Mm-hmm. Voilà, en disant ces mots, c'est des mots qui sont. Vous savez, la parole, elle est magique. Hein. La parole, elle est sacrée. Et en disant ces mots. C'est des vibrations très positives que vous prononcez. Et ça la facilité quand même de détruire toutes ces négativités. D'accord. Voilà. Ne doutez même pas, n'ayez même pas peur. Je voudrais ajouter... Alors, quand on est jaloux, quand on ressent ces sentiments de jalousie, là, comment travailler sur soi? Parce que bien, je ne sais pas, j'imagine que c'est à l'insu, parce que quelqu'un tout à fait normal dans sa tête ne peut pas s'asseoir et être jaloux à ce point-là jusqu'au point d'en souffrir. C'est le cas, comment on se soigne? Il faut se rapprocher d'un professionnel de santé mentale? Bien sûr, même pas forcément un professionnel. Ou... On peut aller, si on est dans le cadre de la religion, on peut aller voir l'imam, on peut aller voir le prêtre pour dire voilà la situation que je vis, que je jalouse mon frère, ou aller voir le prêtre, ou aller voir des professionnels en matière de santé mentale comme les psychologues, les psychiatres. Ils peuvent nous aider, mais sous le couvert de la protection. Que je ne comprends pas. Il y a des personnes qui ont visiblement tout. Des femmes, par exemple, qui ont un bon mari, qui ont une bonne situation sociale, qui ont des enfants, etc., mais qui jalousent, je ne sais pas moi, leur sœur ou leur amie, qui n'a même pas la moitié visiblement de ce qu'elle a. Ça, c'est déjà égoïste. Mais ça, non, ça, c'est pas égoïste, c'est la sorcellerie même. Mais c'est la sorcellerie. Vous empêchez les parce enfants que des tu as émergés. Tout. Tu as tout. Je vous ai mais dit. Permet à ce que l'autre, elle, le minimum, ça, c'est je vous la ai dit hier ici que. Quelquefois, nous-mêmes ne prêtons pas le flanc aux autres de nous faire du mal. Ah. Je connais une femme dès lors, qui a tout, que vous avez tout, mais qui est terriblement jalouse des autres. Oui, votre devoir, c'est d'aider les autres à s'épanouir. Et j'ai dit aux gens, si vous avez les moyens que vous ne pouvez pas aider quelqu'un, ne l'empêchez pas. Mm-hmm. Donc, celui qui a tout et qui jalouse l'autre, mais c'est grave. C'est de la méchanceté extrême. C'est la méchanceté. Pour cette femme que je connais, je vais rapidement raconter, donc elle prétendait aider sa nièce à avoir du travail, donc elle lui donnait les dossiers pour déposer. Et derrière, en fait, elle y allait méchanceté. Effectivement, mais elle racontait plein d'histoires sur la jeune fille aux employeurs parce qu'elle a des relations. C'est et la tout. Méchanceté. C'est de la méchanceté, de la sorcellerie. Alors, on est pratiquement on est au terme de l'émission. Malheureusement, M. Nda, vous l'avez constaté, n'était pas présent aujourd'hui. On lui fait un coucou. On espère le retrouver en grande forme dès vendredi prochain. Merci beaucoup, Dr Brou. Merci Maître Bomba. Merci. On rappelle que cette émission a été réalisée par Patricia Yeo. Et puis, n'oubliez pas, comme on dit, quand vous voulez entreprendre quelque chose, vous aurez contre vous ceux qui font la même chose, ceux qui font le contraire, et en grande majorité, ceux qui ne font rien. Ça ne doit pas vous empêcher de toujours essayer, de persévérer, et puis faites fi des jaloux, avancez, avancez, avancez. Merci encore pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce programme. Restez sur RTI 2. Lundi, vous avez rendez-vous avec Mohamed Conté.